CSDES et ses forces armées égyptiennes sont en marche. Leur objectif, s'emparer de la cité-état de Kadesh, qui est aux mains de l'ennemi, le royaume hittite, et élargir les frontières de l'Égypte. Le roi hittite rassemble son armée. Une coalition composée de dizaines de milliers de guerriers redoutables des territoires alliés, et marche aussi sur Kadesh. Et des pirates des Chardanes. Quelques heures de l'objectif, Ramsès est informé de l'avancée des Hittites. Ils sont encore à plusieurs jours de distance. Il décide de monter le campement avec sa division à Amon. Ses autres bataillons, notamment une force d'élite d'Amourou, n'arriveront que dans quelques heures. Ramsès lancera son attaque à l'arrivée du reste de son armée. Mais bientôt, ses plans sont déjoués. Près du camp, des gardes de Ramsès interrogent deux déserteurs hittites. Ils révèlent qu'en fait, l'armée hittite se cache juste de l'autre côté de la rivière. Soudainement, des chars hittites se ruent sur la division raie de l'armée de Ramsès. Dans la mêlée, les Égyptiens prennent la fuite, menant les hittites droit au sanctuaire du roi d'Égypte. Ramsès fait face à des milliers de conducteurs de chars ennemis. Le pharaon se bat bravement, son temps de compagnie à ses côtés, alors que le roi hittite patiente en toute sécurité sur la rive, opposée du fleuve. La bataille fait rage et les hittites sentent que la victoire est proche. Mais les guerriers d'élite de Ramsès arrivent, donnant au roi le pouvoir de lancer une contre-attaque. Déchaînés, les Égyptiens décochent leurs flèches avec fureur, forçant les hittites à se replier sur l'autre rive. Ramsès décrit lui-même la scène. Je les ai fait plonger dans le fleuve, comme des crocodiles. Ceux qui sont tombés ne se sont pas relevés. La plupart des Hittites se noient ou sont tués, y compris le frère du roi. Le roi Hittite demande une trêve. Pour dénombrer les morts, les soldats de Ramsès coupent une main de chacun des Hittites tombés au combat. Puis, le roi Ramsès quitte le champ de bataille, sur son char, et se déclare vainqueur. Une version hittite de cette histoire laisse croire que la bataille est tout au plus un match nul. 17 ans après la bataille de Kadesh, le roi Ramsès signe un traité avec les Hittites. Grâce à ce traité, il instaure une paix qui durera près d'un siècle. Il s'agit du tout premier traité de paix de l'histoire à avoir été consigné, et il est encore aujourd'hui à la base des traités signés entre les nations. Le roi Ramsès croit fermement que sa victoire à Kadesh représente le plus grand exploit de son règne. Il célèbre sa victoire par un récit extrêmement détaillé qu'il fait graver sur les temples de toute l'Égypte, ce qui en fait l'une des plus célèbres batailles de l'Antiquité. Le pharaon dans ses propres mots. J'ai trouvé les chars ennemis en déroute devant mes chevaux. Je les ai massacrés à volonté. Voyez, j'ai vaincu. La victoire est mienne.